Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler jeux vidéo et on va faire un let's play découverte. Mais on va pas faire un let's play découverte de jeu, on va faire un let's play découverte d'accessoires. Et on va essayer ceci. Le body pad. Alors le body pad, qu'est-ce que c'est? Eh bien regardez cette petite vidéo qui vous expliquait à quoi cela servait. Donc maintenant, on va s'équiper du body pod. Donc, je suis prêt. J'ai sélectionné 3 jeux pour aller avec le body pad. On va commencer par Tekken 4. Ensuite, on enchaînera par Soul Calibur 2. Et on finira par un Virtual Fighter 4. Donc, voyons voir ce que vaut ce body pad. On a une sorte de manette qui se trouve là avec un paddle. Là, on a les boutons. Et d'après ce que je vois, on a des sortes de curseurs ici qui permettent d'activer les pas. Et sur les jambes, on a un peu la même chose, les mêmes curseurs. Et on a un boîtier qui est branché directement sur la console, sur le port manette, qui permet d'avoir les options start et de régler les boutons. Et on peut jouer jusqu'à 4 players. Enfin bref, je sais pas trop comment ça marche. On va tester, on va voir ça tout de suite. Hein. Je découvre comme vous. Donc on va voir ce que ça vaut. C'est parti. Oula, c'est quoi ça? Kazuya, qui c'est qu'on a? Aoeng, Yoshimitsu, Marduk. Il n'y a pas beaucoup de personnages, on voit que j'ai pas trop joué à ce point. Steve, King, Lao. Ah, Lao, les gars rapides, ça peut être pas mal. Ouh! Elle vient là-haut parce qu'elle semble un peu impossible. Putain, quoi, c'est bien? Oh, c'est quoi ça? Wouah, 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 wouah! Putain, je me fais redater ma gueule. Oh le coup de fou là! Oh, les coups de pied ça marche pas là! Putain! Allez bam! Oh là là, truc de merde! Putain! Ah c'est coup de pied là! Ah bordel! Ouh c'est chaud! C'est chaud! Putain c'est pas terrible sur les trucs de pied là! À l'arrière là! Putain! You lose! Oh bah super, ça commence bien! Oulou! Bah ouais. Je sais pas à quoi ça sert ces machins là. Ah, par contre, j'allais sur start à chaque fois pour appuyer. Oh là là. Là, c'est pas pratique. Le bouton start est là-bas, c'est pas pratique. Hein. Ah, je me suis fait dépouiller direct. Bon bah. Oh. On va faire un mode histoire, on va tester. Welcome to the King of Fire District. Oh, Kazuya. Kazuya Mishima. Kazuya Mishima. 20 years ago, Kazuya lost to Heihachi. On va passer l'histoire pour voir un peu ce que ça vaut. Donc faut appuyer sur start à la console à chaque fois, donc ça c'est pas pratique du tout. J'ai pas trop encore compris tous les systèmes. Oh, c'est pas terrible ces machins, ça fait moitié des marques. Round 1. Fight. Bam bam! Ouh le coup que j'ai mis là! Pouf, tu fais moins le mal! Ah non, non, non! Ah non! Putain, elle fait un coup de pied, c'est moi. Ah si! Ah ouais! Ah, ah. Oh là le coup! KO! Comment j'ai mis KO? Bam! Oh là 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 là! Par contre, c'est pas très précis. Hein. Je fais un peu n'importe quoi. Par contre, je sais pas si. Ça
Monte sur ton dash comme ça. Allez, allez. Oh, le coup de fatal. Boum, KO. Oh, le retourné acrobatique. Bon, c'est l'ancêtre du PlayStation Move, quoi. Par contre, c'est un peu du cheaté parce que je suis un peu n'importe quoi. Allez, mon gars. Tu vois la ligne ? Bam ! Tac ! Tac, 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 tac ! Boum ! KO ! Ouh ! Ouh ! Voilà, ma habilité pas trop pourrie, ça va ? Bon, après, les coups de pied, je sais pas trop quoi ça sert. Je teste. Bon, les coups de poing, ça j'ai compris. Bam ! Ouais, ça, c'est un coup de pied. Oula. Là, 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 hop, boum, boum, wow, hop. Bon, je vais faire un peu que ça, hein. Oh, le coup de pied d'agrafe. Dégage. Par contre, je dois être un peu ridicule sur la caméra parce que je fais pas des trucs de ouf, quoi. Vache. Bon, ouais. Oh, putain, ça fait moitié mal au bras, bordel. Oh. Je sais pas trop. Il y a des déréglages à faire, hein, que j'ai pas fait. Oh, ah, enculé. Ah, wow. Oh là là, je vais me faire dépouiller. Boum. Allez. Oh, truc de merde. Voilà, 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 bon, KO! Chaud! Culé! You lose! Round two. Fight. Allez là! Hop! Ah là là! Je sais pas comment se protège en soi. Je me fais des pouilles. Je me fais des petites pouilles à la gueule. Oh là là. Bon, on va essayer un autre jeu. On va essayer Soul Calibur 2. Donc Soul Calibur 2. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un personnage caché dedans qui est un personnage de Tekken. Ben, on le voit d'ailleurs sur la pochette. Et à Chimishima. Soul Calibur 2. Ah d'accord, c'est mon genou arrière pour la bottine. Oh, je crois que ça va être chaud. Mitsurugi. Il est classe, Mitsurugi. Par contre, c'est chaud. C'est un peu n'importe quoi ce que je fais. Win! Oh! Tiens, ma cota! Allez. Boum. Trop chaud. You win.
Kane. Bon, on va passer maintenant à Virtual Fighter 4 pour l'essayer. Donc là, on va essayer Virtual Fighter 4, qui est plutôt un peu plus technique que les autres. On va voir comment ça rend. Faut s'échauffer un petit peu là. Virtual Fighter 4. Mon arcade. On va direct. Je prends Akira, c'est mon préféré. Je me rappelle de la bande d'arcade de l'époque. J'ai bluffé la première fois que j'avais vu Virtual Fighter, le 1, j'avais fait oh, la qualité graphique de ouf quoi. Là, quand on regarde après maintenant l'époque, c'est moitié moche avec le polygone. Voyons voir. Allez, bouge ton cul. Voilà. Bah, super. C'est la merde! Tap! 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 Ouh! Allez là! Marable! Time up! Bon, j'ai gagné, mais bon. Allez! Ah, d'accord. Boum! Boum! Hop. Moi je vais faire que ça quoi. Ah je vais faire que ça. Tiens, ta gueule. Ah merde, j'ai fait que de la merde. J'ai fait que de la merde. Oh, il est beaucoup plus chaud celui-là. Ouais, il est plus chaud celui-là. Hein. Déjà. Mon Shaolin. Ah, je vais pas faire que ça, mon gars. Faut un coup là, boum. Ah. Allez. Faut qu'il fasse le malin, mon gars. Putain de ninja. Shaolin. Ouh. Allez, frappe là, putain, merde. Ah, je te bordel. Allez. Ah. Il a retourné le truc. Ah. Putain, monsieur. Là. Culé. Putain, c'est de la merde. Bon, c'est de la jaya, ça! Allez! Putain! Je vais m'arrêter quand même! Oh. Truc de merde! Wow! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, je vais faire que de cette putain! C'est de la merde! Allez là! Merde, j'ai arraché les manettes! Putain! Ah, bordel! Ah, il fait que de la même chose! Ouais, bah sur celui-là, ça marche pas, hein. Allez! Allez là! Il y a un coup! Il y a un... Putain! J'ai encore gagné, mais chaque fois par où? Oh, bah sur celui-là, c'est pas terrible. Sur Tekken, ça va. Sur Calibur, ça va. Mais sur celui-là, quasiment impossible, quoi. On va aller faire une petite dernière partie pour voir. Putain, truc de merde! Allez! Allez là, frappe, putain! Putain, t'as qu'ils sont déconnectés ou quoi, ce code bordel? Par unité, je sais pas quoi faire d'autre! Oh, il fait toujours la même technique de merde! Ah, fais pas ça, putain! Putain, fais toujours la même technique de paix!
Ah putain, par contre, ça y est bien. Allez, on arrive là. Allez, là. Putain. Ah, je démarre, mais non, putain. Allez là, putain, frappe là. Putain, c'est une jaya ce truc. C'est une jaya. Attends, appuie là. Ah, bah ben voilà. Bam. Hop, ballon. Non, ça marche pas. Hop, hop. On va gagner encore à cause du temps. Bon. Sur Virtual Fighter, c'est pas terrible. Sur Tekken, ça va. Soul Calibur, ça peut aller. Virtual Fighter, c'est même pas la peine. J'espère que cette vidéo vous a permis de voir que le Body Pad, c'était vraiment l'ancêtre du PlayStation Move et c'était pas tout à fait au point. Donc ça peut être sympa à deux, parce qu'il faut savoir que dedans, il y a la 2. On peut jouer à deux. Mais bon, ça n'a pas marché, je comprends un peu pourquoi. Moi, je l'ai acheté à 1€ en brocante pour le tester, je voulais voir ce que ça valait. Faut être clair, un pad est un pad, un Body Pad... Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye!